Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un générateur de dessins. Donc fanlayer.com, plus exactement, de toute façon tout est listé en barre d'infos au cas où si vous voulez tester. Donc c'est quoi? Du coup c'est un générateur, apparemment on va pouvoir dessiner en fait à gauche. Il va nous générer notre dessin à droite, donc là on a plusieurs modèles apparemment qui ont l'air stylés quand même. Parce que quand tu fais random, bon, le chat lui, il a une gueule un peu éclopée, mais tu fais quand même des trucs stylés. Franchement, on fait des trucs stylés. Attends, normalement, il y en a d'autres. Tu peux même faire des bâtiments. Voilà, alors ça, perso, celui-là, j'utiliserai pas. Je suis pas architecte. Donc, perso, celui-là, non. Tu peux même faire des pompes. Et des sacs. Alors, attends, on va tester ça tout de suite. Donc, du coup, je suis muni de mon téléphone portable. Et je vais... Alors, attends, on va aller chez les animaux. Clear. Je vais sélectionner un animal sur le téléphone portable. Et on va essayer de reproduire un dessin. Donc là, en l'occurrence... J'ai pris une girafe. Mais alors, la girafe, elle fait, genre mon gars, elle fait 6 mètres, quoi. Je sais pas si je vais pouvoir reproduire un truc pareil. Donc, attends. Non, j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je tente. Je sens très mal cette vidéo. Je crois que c'était une idée de merde. Bon, par contre, elle est tellement grande que je pourrais pas faire, je pense, son corps et tout le bordel. Ça ressemble à que dalle, mec. Ça ressemble à rien du tout. Oui, c'est le corps de la girafe. Et alors? Et ça, c'est les pattes. Le pire, c'est que vous allez pas me croire, mais en fait, je dessine très bien de base. Sauf qu'avec une souris, c'est une catastrophe. Oh, mais non, mais ça... C'est une catastrophe. Oh, mon Dieu, mais... C'est une catastrophe. Attends, on va remonter. On dirait un truc tiré d'un film ou une connerie comme ça, tu vois. Hop. Les petites antennes satellites. Eh, ça, eh, si ça... Si ça, c'est pas beau. Les œufs, c'est Yoda, le bordel. Attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti. Eh, si on tombe sur un beau truc, franchement, banco. Sauf ça va être un truc, un machin éclop. C'est quoi, cette merde? Bah, écoutez, on a de la texture... Il a dû reconnaître un peu un morceau de girafe puisqu'il nous a accordé du jaune ici. Donc je pense que perso il a dû reconnaître. Donc on va faire un chien, on va changer puisque tout à l'heure c'était un chat. Donc je pense qu'en fait il a que des poils ou des trucs comme ça en fait le générateur. Oh c'est la merde à faire par contre à la souris. Tac. Voilà. Donc ça c'est le nez. Ensuite trois petits points. Hop. Allez parce qu'on est... On est gentil, on est généreux, on en rajoute deux. Là, il faut que je fasse un cercle autour. Enfin, un ovale, plus exactement. Oh, mais à la souris, vous vous doutez pas. Hein. Arrêtez de vous moquer derrière votre écran, vous ne vous doutez pas. Alors là, voilà. Là, on n'est pas sur du dégueulasse. Là, je vous interdis de dire qu'on est sur du dégueulasse. Attention, regardons. Sinon, ça va faire un truc trop beau. Ou trop moche. Allez. Oh. Ça a reconnu les yeux, ça, ou pas? J'ai l'impression que pour lui, il a ciblé les yeux ici. Quand on regarde... Attends, je vais tenter de faire un truc. Je tente un truc, hein. On referme. Voilà. On va essayer de faire ici les yeux, carrément. Voilà. Eh, mais sinon... Sans déconner, c'est pas dégueulasse, hein. Bon, pour lui, c'est un chat, quoi. Oh, attends, il y a un œil là-dedans. C'est quoi, ce chien? Attends, là, j'ai fait des yeux comme ça. Qui va mieux reconnaître et qui va améliorer un peu le truc. Oh! Oh, il est mieux, là. Ouais, et là, il est pas mal. Hein. Ah, je vous entends. Oh, là, là, il est pas mal. Hein. Franchement, bon, tu le vois dans la rue, bah, tu le... Tu le prends. Tu le prends, voilà. Mais non, c'est pas mal. Franchement, il est pas dégueulasse. Mais on a encore cet œil, hein. Et là, par contre, je sais pas pourquoi ça fait une couleur aussi claire. Attends, écoute, on va mettre du poil. On va faire comme s'il y avait des poils. Des poils, des poils, des poils. C'est un chien papillon, le bordel, à la fin. Attends, on va regarder ce que ça donne. Hop, c'est parti. Oh, franchement, hey, arrêtez, c'est pas mal. C'est franchement, c'est un bon truc. Allez, vas-y, 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 vas-y. Oh, hey, plus on avance, plus ça améliore. Oh, clairement. Je vais essayer de lui mettre des moustaches. Oh, hé, on a réussi à lui mettre les poils et tout, franchement. Eh, franchement, ça claque.
Oh là là. Alors attendez. Bon, le truc c'est mi-chat, mi-chien. C'est pas grave. Eh, franchement, vas-y, vas-y, vas-y. Des moustaches, des moustaches. Des moumous. Oh là. Là par contre, il commence à partir dans un délire trop coloré. C'est un peu quand j'étais petite et que je faisais des dessins, tu vois, totalement foirés. Et qu'on me faisait, oui, c'est très beau. Oui, vachement. On y croit. Hop. Voilà. Là, tu descends. On va faire juste un signe ici pour que le système comprenne. Par contre, ouais, je rapetissais un peu son nez parce que la catastrophe. Il avait un nez, c'était... Attends, hop, on refait juste le nez. La petite pointe du nez. Oh. On dirait un chat empaillé. On dirait pas sans déconner un chat empaillé, tu vois, dans les commentaires. Mi-chat, mi-paille. Attends. On peut peut-être... Attends, on peut faire un bon truc, peut-être. On va mettre des petits poils comme ça, peut-être que le truc, il va comprendre. On va même lui mettre un petit nez. Le truc, c'est une otarie à la fin. Voilà. Attention. C'est parti. Ah, j'ai failli faire clear. Ah, j'aurais été dégoûtée. Attends, peut-être que là, il va être mieux. Si on rajoute un petit peu de poils... Ah, il va mieux quand même. Hein. Eh, franchement, il va mieux. Oh, bah là, alors là, je suis désolée. Micha, mi-cure, il a tête, hein. Mais qu'est-ce qu'il a dans le dos? J'ai pas demandé ça. Attends, on va lui mettre des trucs dans le dos. On va lui mettre des ailes. Je rigole, pardon, mais c'est nerveux. Il y a des trucs, tu me dis, mais ça n'a rien à foutre là. Attends, on va voir. Un chat ailé. Micha, mi-écureuil, mi... mi... mi-quoi? Mi... Oh! Alors là... Là, c'est pas mal. Ah, foutez-vous de ma gueule si vous voulez. Là, c'est pas mal. Alors là... Eh, mi-chat... Mi-écureuil, mi-chauve-souris, c'est magnifique. Alors là, je suis sûre, j'ai créé quelque chose que je vais me faire piquer dans un jeu vidéo. Oh là là, je vous jure, si un jour je vois un écureuil formé avec un chat et une chauve-souris, je sais que d'où ça vient. Oh, alors là, là c'était pas mal. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors attendons, on va en faire un autre. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant comme animal? Je suis sûre que derrière votre écran, vous êtes tous en train de hurler. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais sauf que j'entends pas. Oh là là, oula, merde, pourquoi j'ai fait process, j'aurais dû faire clear. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Un panda? Un panda. On dirait un panda drogué. C'est moi le petit panda. Attention, attention. Oh! Qu'est-ce qu'a merdé? Attends, on partait sur un bon truc. Attends, c'est pas mal, le côté droit, il est pas mal. Attends, on partait sur un bon truc, là. Ah, franchement? Attends, on avait fait un truc pas mal. Vas-y. Oh, attends, c'était pas mal, là, hein, sans déconner. Bon, en fait, il met toujours des yeux, des poils, des... Il y a quelque chose qui merde au niveau de la... On dirait un espèce de renard albinos. Oh! Mais il y a quelque chose qui merdouille sur l'œil. Juste pour voir. Hop, c'est parti. Je fais un truc basique, on va voir ce que ça va donner. Si c'est bien ou si c'est carrément dégueulasse. Ah bah alors là, si, on dirait un petit t-shirt, mais tu sais, pour des icônes. On dirait, tu sais, du pixel, enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est, ouais, ok, top. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi, des vêtements, des machins, je sais pas pourquoi je dis à chaque fois, dites-moi, c'est complètement con. Ah bah attends, on va faire un pantalon. On va voir ce que ça donne. Attention. Bon, c'est pas mal. Mais on va retourner sur de la chaussure parce que j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour faire de la chaussure. Attendez, hein, y a des zones qui vont être effacées, je vous rassure tout de suite. Hein. Ça va pas rester comme ça. Hop. Concentration. Vous êtes en train de se dire, mais c'est quoi ce bordel? Vous allez comprendre tout de suite. Il va falloir que j'efface. Voilà. Attendez, je vais refaire en dessous. Là. Toujours comme ça dans le dessin. On fait des lignes. Jusqu'à avoir la bonne. Alors. Voilà. Ensuite, faut remonter. Et puis là, maintenant, faut faire la semelle. Oh la vache! J'ai fait une semelle bien trop importante, là, mec. Alors, attends. On va
Mais attends, normalement, il y a des stries et tout. Comment tu veux que je fasse les stries? Limite, attends, on va faire comme ça. Là. Oh, je sais pas ce que ça va donner, je commence à paniquer un peu là. Attends, puis en plus il y a les lacets. Et là, il y a... Hop. Enfin, vous avez reconnu quoi, je vais pas vous faire un dessin. Je viens de me rendre compte que j'ai dit je vais pas vous faire un dessin. Et c'est complètement con, je suis en train de vous faire un dessin. Alors là, si vous comprenez pas, on est vraiment dans la merde. Bon, allez, on va dire que ça va. Ça va. Donc par contre, ensuite, va falloir... Ah, mes perspectives sont nulles à chier, je suis en train de me dire. Lasser la pompe. Tac. Oh, mais non, mais attends, les lacets, ça part trop en cacahuète. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Et franchement, on reconnaît quand même. Bon, on n'est pas très proche du modèle de base, mais on reconnaît quand même que c'est une pompe. Donc c'est le principal. Donc allez, vas-y, vas-y, vas-y. Non mais attends. Pas mal, pas mal, mais dis donc, la qualité, elle est pourrie, quoi. Mais c'est pas mal du tout. Attends, je refais. On va voir. Eh, il a reconnu, tu vois. Mais par contre, vu que j'ai pas terminé mes traits, en fait, je pense que c'est pour ça. Oh, eh, c'est pas mal. Ah non, franchement, attendez, je vais essayer de fermer mes traits. Pour voir ce que ça peut donner une fois fermé. Hop. Voilà. Allez, on relance. Oh, hé hey. Non, arrêtez. Hein. Comme quoi, on n'est pas forcément obligé d'avoir bac et quelques pour savoir dessiner. Oh, c'est magnifique. Même si moi, j'aurais mis la pompe rouge avec l'intérieur noir. Mais bon, c'était... c'est. Oh là là, stylé, oui. Ou l'extérieur tout noir avec l'intérieur rouge. Oh, franchement, pas mal. Bon, attendez, on va terminer cette vidéo avec les... le sac. Alors, attendez. Faut que je prenne un sac. Un joli sac. Oh, je sais quoi dessiner. Un petit sac de la haute société. Le logo Lidl qu'on peut reconnaître. Qui est même pas collé, c'est pourri. Et là, attends, faut faire la lanière. On va faire comme ça. Et après, genre, ça passe derrière. Bon, il est carrément dégueulasse. Ah, j'ai oublié de faire les effets matelassés. Merde. Bon, c'est pas grave. On va voir. Oh, oh. Mais attendez. Mais, hé. Hey, sans déconner. Hé, hey, je ne vous mens pas. Bon, à part le couleur or, il y a un air avec la photo originale. Je ne vous mens pas, il y a un air avec la photo originale. Hé, hey, franchement, c'est pas dégueulasse, moi je vous le dis. Oh, nickel. Attendez, on en refait un autre. Attendez. Eh, hey, franchement, vas-y, comme ça. Là, pas de détails, rien. Brut de décoffrage. On va voir ce que ça va donner. Vas-y. Oh là là, hey, c'est pas mal. Sans déconner, c'est pas mal. Je suis en train de me dire les grandes marques. Ça se trouve, les mecs ne savent absolument pas dessiner, il n'y a même pas de croquis. Ils génèrent sur ça, pim, ils piquent l'idée ici. C'est magnifique. Attendez, je reteste un dernier. Ça fait 10 fois que je dis dernier, mais c'est pas grave. Tac. Ah, au fait, pendant que je fais mon dessin de sac, il n'y a pas eu de vidéo lundi. En fait, la vidéo Arc est sortie mardi, je vais vous expliquer pourquoi. À cause d'un problème de droit d'auteur. Suite à une musique que j'ai mis à la fin quand j'ai tamé la licorne, j'ai mis une musique. Et j'ai pris des droits, ce qui fait qu'en fait, ça a carrément bloqué énormément d'utilisateurs. Et il y en a plein qui ne pouvaient pas regarder la vidéo sur mobile, en fait. On pouvait que la regarder sur PC. Du coup, j'ai pris la décision d'enlever la vidéo. Après, vous allez me dire, pourquoi est-ce que t'as pas fait enlever la piste carrément depuis YouTube? En fait, je l'ai fait. Et c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'ils m'ont... ils m'ont foutu ma bande son en l'air, les mecs. Ils m'ont décalé l'audio de l'intégralité de ma vidéo avec l'image. Donc c'était dégueulasse. Donc j'ai pris la décision de repasser la vidéo sur mon logiciel de montage. Et de la re-upload justement pour que vous l'ayez plutôt mardi. Je préférais vous poster une vidéo que tout le monde puisse la voir plutôt qu'il n'y en ait que 100 qui puissent la voir. Là, je parle, c'est n'importe quoi. C'est plus une bandoulière ce machin. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo du coup lundi. Allez. Allez. C'est la bandoulière, j'ai peur que la bandoulière... Oh, oh c'est magnifique. J'en chialerai. Est-ce qu'on peut... Eh, sans déconner. Il n'y a pas de site qui existe... Dites-moi dans les commentaires. Il n'y a pas de site qui existe où on peut montrer une photo à un site et qui nous fasse le sac.
Parce que alors là, c'est magnifique. Hein. Ou le chien. Hein. C'est magnifique. Oh la vache. Oh, là, je suis fière de moi. Regarde, il y a même le petit truc là. Voilà, la petite boutonnière. Et il a reconnu, tu vois, là, ça partait un peu en cacahuète. Au final, il l'a reconnu. Là, il a reconnu qu'en fait, hop, c'était pour fermer. Oh, il m'a mis des couleurs magnifiques. Oh, on pouvait sauvegarder. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. En attendant, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Facebook. Il y a quoi d'autre? Instagram, de toute façon, tout est listé dans la description, ainsi que Steam et tout autre, au cas où si vous voulez jouer avec moi ou quoi. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas le petit pouce bleu. Ciao.